Salut les humains. Bon, je m'apprête à repartir bosser. Ici, il pleut. Donc, je suis pas trop allé dehors là depuis le réveil. 16h30 à peu près. J'ai cuit un nouveau pain avec farine semi-complète de blé. Poudre d'amande, poudre de noisette, poudre de noix de coco, des trucs qui me restaient en stock. Bah, le résultat est pas mal, mais là c'est tout chaud, c'est encore au four, je vais pas le sortir maintenant. Non, je fais cette petite vidéo là parce que, bah, comme j'avais rien d'autre à faire avant de repartir bosser, si, ma déclaration d'impôt, dès le réveil, waouh, la prise de tête, retrouver les mots de passe et tout, waouh, j'ai cru que j'allais mordre l'ordinateur. Bon, c'est fait. Donc en attendant, je me suis dit, tiens, je vais refaire des tests avec mes couteaux à bois. Parce que vu le temps, je me dis que demain, il est probable que je m'en refasse une flambée dans la cuisinière qui est juste là. Et du coup, bon, c'est bien que j'ai un bon stock d'allumettes, entre guillemets. Et puis, du coup, alors bon, le burin de chez Easy. Là, ce que je voulais tester, c'est vraiment de changer de prise en main. Alors, le Sika, maintenant, pour mon usage, il est un poil trop léger. C'est-à-dire que si je dois faire des choses à la yourte, ça va. C'est-à-dire, généralement, sur mon parquet, je m'amuse à fendre comme je fais. Voilà, le maillet, généralement, il est ici. Je ne l'emmène pas toujours en forêt. Hein, c'était pour la vidéo. Alors, bon, hop, hop, hop. Pour la yourte, Sika, il va bien. Par contre, j'ai voulu tester voir pour faire des pointes. Donc là, c'est un bon bout de bois, c'est du hêtre bien sec et bien dur. Je trouve que du coup, les moutures scandinaves. Bon, là, il n'est pas super fufute, hein, mon truc. Hein, vu qu'il me sert principalement pour fendre, il n'y a pas besoin de couper, quoi. C'est juste que l'avantage, c'est que les moutures scandinaves ont une tendance à écarter le bois. Mais la lame est quand même assez fine comparée aux deux autres, qui écartent du coup le bois, même sans émoutures scandinaves, parce que genre, la lame est épaisse de ouf, presque un demi-centimètre. Enfin, un peu plus d'ailleurs d'un demi-centimètre pour l'un et un peu moins sur l'autre. Et donc je me suis amusé, tiens, si jamais j'avais besoin de faire des piquets, par exemple, des piquets pour montard, des choses comme ça. Alors bon, bah ça, bon, du coup là, bon. Le burin Easy Five, bon, alors pour fendre, ça va. C'est vrai que j'étais resté sur cette accroche faite dans la lame. Mais c'est marrant parce que bon, je ne me souviens pas avoir essayé de rattraper la lame. Peut-être que si. Ça s'auto-répare tout seul un couteau? Non. Eh bien, ce qui me choque le plus, c'est la différence de poids qui est pourtant assez faible entre ces deux couteaux. Donc 450 pour celui-ci et 380, c'est ça, pour celui-là. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Et bien, malgré tout, je trouve que cette différence est avantageuse pour le Shred Frontier 5 pouces, je suppose. Au niveau tenue en main pour la coupe à la volée, je trouve aussi. Alors, lui, il a le poids pour lui, hein, c'est sûr. Celui-ci, je trouve que l'ergonomie. Bon, j'ai pas des super grosses mimines, j'ai pas des mimines de fillette non plus, mais je trouve que celui-ci, avec ses aspérités ici, là, une bien meilleure tenue, bien meilleure. Il y a beaucoup moins de chances qu'il m'échappe. Bon, là, ça va, j'ai les mains bien sèches. Voilà, si je vais faire ça là maintenant dehors, hein, je crois que ça m'avantagerait d'avoir ces aspérités. Voilà, donc ça. Ensuite, sur le. Donc, ça, c'est une des pointes que j'ai faites
juste avant de me dire, tiens, je pourrais faire une vidéo. Alors là, par exemple, sur le Easy, du coup, ça manque cette encoche passe-doigt là, qu'on peut trouver sur un autre couteau type Bushcraft. Et là, du coup, elle me manque. Parce que là, si je fais ça, bah, je pose mon doigt sur le tranchant de la lame. Alors bon. Pardon. Alors, il n'y a pas de souci, on peut faire des points pointes avec, hein. Mais il n'y a pas la même précision. Donc, du coup, le cicat, ce qui ne va pas, c'est que, bon, outre le fait, déjà, oh, la différence de poids, bah, celui-là, en fait, fait 245 grammes, et l'autre 450, donc celui-là, quand on le reprend, on a l'impression d'avoir un couteau à beurre dans les mains, quoi. Ouais, rien à voir. Rien à voir du tout, quoi. Bon, attendez, parce que je m'enlève pas un bout de doigt en même temps que je regarde ce que je fais sur l'appareil. On va filmer. Ouais. Alors, bon, ça y va quand même. Ben, du coup, ça manque, cette encoche passe-doigt. Celui-ci, trop léger. Et ben, celui-ci, le shred. Et ben, ça va bien, quoi. Je vais pas vous redire à quel point ça me déçoit, la peinture. Mais pour tout le reste, merde, je me suis mis à genoux avec mon pantalon de travail. Wow. Bon, ça va. Il n'y a pas trop d'exigence là où je suis. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Que ce soit au niveau de l'émouture, du tranchant, de la position des doigts. Parce que là, du coup, par contre, là, sur la lame, il n'y a pas d'aspérité qui permette de bien tenir le pouce, comme il y a sur le Easy, ou même sur le 6K. Bon, sur le 6K, elles sont pas non plus. Il aurait pu en mettre deux plus, hein, des encoches sur le relief là. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Alors bon, ça aussi, il y a des aspérités partout là aussi. Mais ça aurait été bien d'en avoir aussi là sur le dessus de la lame. Alors là, je chipote, hein. Je chipote histoire de dire quoi. Bon, voilà. La dernière vidéo, enfin la précédente, était avec un petit bout de bois pourri ramassé à l'arrache. Là, avec du bois, du vrai, ça marche pas trop mal. Il y a moyen de faire des petites sardines. Bon, voilà. Hop. Ouais, je vais tenter de prendre le modèle Shred Frontier 7. Hein. Je vais tenter. Ciao.